Bonjour, je vous présente aujourd'hui notre projet de rénovation de façade. Donc on a prévu de repeindre les murs et les menuiseries, l'idée étant de garder l'authenticité de la façade qui est assez ancienne. Pour les murs, qui n'avaient jamais été peints à l'exception d'un mur peint en bleu sur le côté de la façade, on a choisi la peinture façade V33 Climat Extrême dans sa teinte meulière, donc c'est un blanc cassé. C'est une peinture monocouche, on verra ce que ça donnera à l'utilisation. Et vous trouvez à l'arrière du pot plusieurs consignes d'utilisation pour faciliter l'application. Sur la préparation des surfaces, on a principalement essayé de passer au Karcher ce qui ne fonctionnait pas très bien. Donc au final, on a brossé avec une brosse en fer à la fois le mur peint en bleu et le mur qui n'avait jamais été peint dans un mélange de ciment et de gravillon. On a également réparé les fissures au ciment avant la peinture. Concernant le matériel, on a choisi de travailler au petit rouleau à poils longs, principalement parce que c'est moins lourd que le gros rouleau, et on a rempli les petits trous, les aspérités qui restaient ensuite au gros pinceau. Donc je vous montre ce que ça donne après une première application du produit. On voit qu'il reste pas mal de petits trous. Le pot indique qu'on peut diluer la peinture pour la première application pour que l'application soit plus facile. C'est pas ce qu'on a fait, mais du coup on a fait disons une couche et demie puisqu'on a fait une première application au rouleau et ensuite une deuxième un peu dans la foulée pour remplir les petits trous qui restaient. Voilà, le rez-de-chaussée est terminé, avec déjà une belle progression en termes de luminosité, et on a pu entamer ensuite le deuxième étage. Donc en gros, pour faire chacun des deux étages, il nous a fallu une journée à trois avec l'ensemble des surfaces, y compris les gouttières. Et voilà la touche finale, donc on voit que c'est une façade beaucoup plus propre et plus lumineuse, et aussi mieux protégée puisqu'on a pu réparer les fissures, avec un avant-après quand même assez spectaculaire, donc merci à V33.